been so hungry in my life. J'en doute. On est reparti. Je doute. Je pense que tu as été beaucoup, beaucoup affamé dans cette survie. Donc, la dernière fois, nous avions pêché. Nous avions pêché, cuit, fait des choses avec des poissons. On a récupéré beaucoup de vie, ce qui est pas mal, ce qui est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, aujourd'hui, on va continuer notre aventure. J'ai toujours l'envie de garder des calories pendant 2 jours, comme ça pour tout le temps avoir le buff. Mais honnêtement, ça serait dangereux de faire ça, parce que ça va nous forcer en fait à manger énormément. Et on n'a pas assez de nourriture de côté. Ouh, on a bientôt le feu fini. Faut qu'on, vraiment à chaque fois qu'on voit de la lumière, qu'il fasse jour, on fasse du feu. En tout cas, c'est parti. On va sortir et on va attaquer des lapins. Un peu un temps de merde, mais on y va. On a un peu un temps de merde en ce moment. Enfin, la dernière fois, il faisait jour et il faisait pas froid et tout. C'est normal qu'on ait un temps de merde maintenant, quand même. Et sinon, ce serait un peu trop simple. Alors, on va aller vers, comme j'ai dit, la cabane. Il y a pas mal de lapins. Ah, j'aurais dû regarder la map. J'aurais dû montrer la map. J'aime bien montrer la map avant qu'on parte. Par contre, j'ai un peu peur qu'il y ait des loups. Honnêtement, c'est vraiment pas le bon moment pour partir. C'est vraiment pas le bon moment. Mais vu qu'on a encore des calories, on a pas mal de vie, je me dis autant foncer maintenant. Voilà, ça. On a aussi des cerfs. Vous vous rappelez vers les vers le barrage? Il y a au moins 4 cerfs qui se baladent. J'ai bien envie d'aller les chasser. Ça nous ferait pas mal de réserves. Et ça nous ferait monter de niveau aussi. Mais je sais pas. J'ai en tête les lapins. Le problème, c'est que j'ai en tête les lapins, donc on va faire les lapins. Chut, arrête de parler quand je passe les montées comme ça. Okay. Donc oui, j'ai en tête les lapins, donc on va faire les lapins. On va dire que les lapins, c'est moins prise de tête. Parce que tu les ramasses. Donc c'est à dire qu'on va pouvoir ramasser les boyaux et tout ça d'un coup. Quoi. Alors que les cerfs, va falloir les chasser vers un abri, faire du feu à l'extérieur peut-être. Peut-être les découper en morceaux là. Honnêtement, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça aujourd'hui. Donc je veux juste aller monter de niveau mon arc. Évidemment, hein, aussi, sinon le vent souffle dans la direction où on doit aller. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle, le vent comprend ce que je dis. Vous voyez, on doit aller là-bas, le vent souffle. Je vais commencer à dire l'inverse des choses. Alors, faire attention, on avait des loups dans la forêt. J'ai pas l'impression qu'il y en a maintenant. Ça a l'air plus ou moins safe. Ah, oh, ça. C'est pas cool. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve ce vent. Un peu. Ok, ça va.
Vu que le cerf il est en plein sur le chemin, on va voir si on peut pas le pousser vers le. Ça m'étonnerait, hein. Mais parce qu'on est quand même très loin. Mais peut-être le pousser vers vers la cabane du trappeur et le chasser là-bas. Mais je pense qu'à un moment il va revenir. Il va revenir sur nous. Oh, ça sert à nous par contre. Comme dans tous les jeux de survie, évidemment. Regardez les empreintes, tout simplement. C'est tout bête. Plus il y a du vent et plus les empreintes sont recouvertes rapidement. On pensait à ça aussi. Oh mon dieu, le vent, il était là-bas. La cabane, elle est là. Le vent vient juste de dériver, quoi. J'ai l'impression que c'est fait exprès. Pour les traces de sang, c'est pareil. Quand il y a du vent, les traces de sang, elles sont très très vite recouvertes. Ce qui peut être très très embêtant. Ouais, je pense que là, il va faire un demi-tour vers nous, après. S'il y a trop de rochers et tout ça, il va pas les éviter, il va revenir. Donc ça m'étonnerait qu'on puisse le chasser vers la cabane. Ouais. C'est pas grave petit, on n'est pas vraiment là pour toi, mais ça aurait pu être bien. On se balade du coup. Ah, c'est vrai que c'est quitter lac mystère ici. Ah, on en a pas assez. Allez, l'autre côté, est-ce que ça va nous aider? Non, ça va pas nous aider, on repart. Cette grotte est vraiment bien pour se réchauffer, hein. Elle est vraiment vraiment cool. Peu importe le vent, peu importe la chaleur à l'extérieur, vous allez toujours récupérer du... Oh putain, juste... Vous allez toujours récupérer votre température, donc c'est vraiment bien. Ah, on voit, il y a les petits lapins, je viens d'en voir. Mais avant, on va aller se réchauffer à la cabane. J'ai pas envie de mourir de froid non plus. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est aller dans cette direction. Je pense qu'il y a des trucs à chasser. La chose, c'est que... On pourrait chasser le cerf... Oh mon dieu. Oh mon dieu, Ellie. Vas-y, passe. Oh mon dieu. Je vais m'en foutre. On pourrait chasser le cerf, mais comme j'ai dit, s'il meurt pas d'un coup, on va devoir courir après et elle a déjà froid. Et on est déjà genre à 30% de gelure, donc non. Et on va pas faire ça maintenant. Ah oui, vu qu'on a les outils, je crois qu'avec les broussailles, on peut les couper en petits morceaux de bois, je crois bien. Je suis pas totalement sûr, mais je crois. Bon, ici, de toute façon, il n'y a rien à faire. J'ai l'impression d'être un géant, ici. Qu'est-ce qui se passe? Non? Bizarre. Ouais, j'ai l'impression que... On est grand, comparé à la dernière fois. Alors. Ce qu'on va faire pour se réchauffer, parce que... Parce que, alors... 28... Le mieux, ce serait de dormir, en fait. Enfin, attendre dans le lit. Mais... J'ai pas envie d'attendre. Alors, fais voir combien... Une heure... On pourrait faire ça...
en train de réfléchir de ce qu'on pourrait faire pour... J'ai vu qu'on a ça. Voilà. Ok, 18%, c'est bien. Est-ce qu'on a un petit truc à casser ici? 20 minutes. 20 minutes, mais c'est une étagère, j'aime pas détruire les étagères. C'est joli quoi. On n'a pas des... du tissu, genre là l'oreille on peut pas, non celui-là non. On a la... non on peut même pas, on peut même pas faire le fauteuil. Ça non plus. Je suis en train de désespérer. Oh oh oh, regardez ce qu'on a trouvé. Oh, thank you. Vous voyez que des fois on peut passer à côté de quelque chose. Vous voyez que des fois hein, ça... c'est... maintenant je regarde vraiment. C'est pas grand chose, hein. C'est genre c'est tout petit et hop. Passer à côté de ça. Donc là on a... ça pèse rien du tout, c'est 300 et ça donne aussi de l'eau. Je crois. Un peu d'eau. Donc c'est pas mal. Ouais, ça donne un peu d'eau. Voilà, très bien. Je... Ouh, ça m'embête de pas savoir quoi faire comme ça et d'attendre bêtement. Je voudrais m'enlever la gelure en fait. Mais on a qu'à attendre. J'aime pas attendre comme ça, ça me rend fou. En tout cas, alors ce qu'on va faire. Donc nous sommes là. Cabane du trappeur. Donc ce qu'on va faire, c'est on va chasser ici. On va chasser ici pour les lapins. Et après ça va dépendre de... nous notre ours il est là. Ça va dépendre du temps. Mais une fois qu'on aura fait les lapins là, on va peut-être se balader ici. Comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de choses que je voudrais faire aussi, c'est les branches de sapin. Toutes les branches là, genre chez nous on en a plusieurs. On a une branche là et je sais qu'il y a des branches ici aussi. Je voudrais bien les détruire là aussi sur le... voilà, branche de sapin. Mais après, bon, bah après ça, ça a été mis à jour pendant que j'ai dessiné, donc peut-être qu'elle n'y est plus, par exemple, vous voyez ce que je veux dire. Mais je sais qu'on en avait vu une la journée dernière, donc... c'est vrai que ça aussi, ça serait utile, ça serait vraiment utile de faire ça. Donc c'est embêtant, parce qu'il fait vraiment froid pour le faire. Des fois, ça prend une heure. Hein. Donc ça m'embête. C'est dangereux, on va dire. C'est trop dangereux pour nous, pour en intrus. Ok, ça s'est un peu calmé. Ok, maintenant on se concentre et on devient un chasseur. Alors j'ai vu des lapins tout à l'heure. Enfin, j'en ai vu un au moins. C'est un caillou ça. Oh, c'est con. Petit, petit, petit. Bah alors. Bah alors. Bah c'est cool, on récupère du bois, mais... Et après, les lapins meurent en une flèche, hein, peu importe où vous tirez. Bah merde. Ah bah elle est bien bonne celle-là. Ouais, peu importe où vous tirez, hein, le lapin va mourir. Donc c'est pour ça que je dis encore une fois, c'est un bon moyen d'entraînement. Ça m'embête là. Oh oh oh, ça c'est pour nous.
Ça m'embête de récupérer autant de bois sur le... On n'est pas encore... On n'est même pas sur le chemin de retour. Sur le chemin de retour, ça va, mais... Là, on n'est pas sur le chemin de retour. Et ouais, risque d'entorse, bien joué. Une heure 18. Putain, ça vaut le coup, honnêtement. Pour une heure, vous avez 4 bouts comme ça? Oh la vache. Pouf. 5! Ouais, non, mais là, oui, hein. On va aller se réchauffer. On va aller se réchauffer, on va poser tout le bois qu'on a. Ah ouais, non, mais là, désolé, mais ça vaut quand même le coup, là. En une heure, vous récupérez 5... pas de lapin ? Non. 5 bois pour le feu, qu'il faut... Il donne une heure et demie, je crois, cela. Oui, on pouvait faire ça, maintenant. Avec les haches et tout ça. Ah ouais, non, mais... Ça vaut le coup, là. Bon, si le temps se détériore pas trop, c'est pas mal. Si le temps se détériore pas trop, comme d'hab. Non. Pas mince. Non, c'est là. Ah, on a déjà 30, putain. C'est embêtant d'en avoir autant, quoi. C'est vraiment embêtant. On va dormir une petite heure. Allez, c'est reparti. Ok, très bien. Bon, on retourne sur les lapins parce que c'est notre but. Oui. C'est pour ça qu'on est là. Ah, fait pas froid en plus, ok, let's go. Ok, let's go pour le... pour le... celui d'une heure qui donne 5 bouts de bois là. Et si on arrive à ramener ça à la maison, c'est cool. On n'aura pas perdu notre temps. Même si c'est pas vraiment... C'était pas vraiment le but de faire ça, mais... Genre celui-là, c'est quoi? Ça doit être 4. 4, 1h18. On dépêche. C'est celui-là. 5, 1h18 et 2 trucs. Ok, go. Ok, parfait. Très bien, honnêtement on a eu le bon temps. Y'a pas des lapins là qui volent? Qui volent. Désolé, j'ai vu les ombres des corbeaux et j'ai pensé corbeaux volent. Des lapins qui courent là? Non. Oh oh oh! Lapin. Un peu froid mais let's go. Oh lapin! Lapin, lapin, lapin. Ok, 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 ok. Bravo. Ah lui ça va être plus facile lui. Ok d'accord, je suis très très nul apparemment. Je suis très 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 nul. Je vais les casser les flèches au bout d'un moment. Qu'est-ce que j'ai à pas les... Aux pierres, je leur mettais une pierre à 300 mètres. T'es sérieux? Ils sont... C'est des hackers, quoi.
Oh, mais t'es... Je tire trop haut? Oh merde, pardon. Je tire trop haut, c'est ça? Ou trop bas? J'arrive pas à voir ma mon problème en fait, mon erreur. Foutage de gueule quoi. Je vais les casser les flèches au bout d'un moment. Ça commence à avoir froid. Il est où l'autre? Mais t'es... Je mets une flèche dans la tête d'un loup en une fraction de seconde et là tu vas me dire que j'arrive pas à toucher des lapins. Bon après les lapins ils sont plus petits quand même mais il y a pas... Non mais attends. Foutage de gueule là. Arrête-toi, arrête-toi, rends pas la chose plus chiante encore. Je sais que hein... Mais elle est encore plus chiante pour moi que pour toi là. La scène là. Ah merci mon dieu quoi. Voilà, c'est bien, on a bien gelé, c'est cool, c'est parfait. Oh là là, oh je suis content. Ok donc, pas par l'arrière, pas par l'avant, mais sur le côté c'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Oh mon dieu, regardez ma vie quoi. On a 26... On était à U. À quoi, 6? On était à 6% quand on avait arrêté de casser le bois. On a 20%, c'était genre la course au lapin. Oh mon dieu, quelle honte. N'importe quoi. Bon, bref. Bref, bref, bref. Donc on a eu un lapin. Je fais voir les flèches. J'ai peur de regarder les flèches. 60%, 67%. Ça va. Aussi, il y a une chose, c'est de... Ah, attendez, si je me rappelle bien, c'est ranger l'arc après avoir tiré la flèche. Comme ça, vous récupérez après la flèche qui est sur le sol. On va le faire à la main. Comme ça, vous allez utiliser la flèche que vous venez de ramasser. Comme ça, vous utilisez toujours la même, vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, c'est pas vraiment... C'est pas grave d'utiliser différentes flèches, mais votre inventaire après il est pollué en fait, parce qu'à chaque fois ça vous montre plusieurs différentes flèches, ça vous fait plus des stacks, vous voyez, là on a un stack de 8, après on a 1, 1 et 1. Bon, faudrait qu'on rentre, ou alors on dort ici. J'ai envie de dormir ici. Et on rentre demain. On a de la nourriture, on n'a pas beaucoup de nourriture. On a, de la nourriture. On a le... les trucs là, ça. Les massettes. Après, on pourrait faire un petit feu, mais... On va voir. Si on avait du beau temps, on aurait fait un petit feu. Et bingo quoi. Oh là, waouh, ok. Ouais, on va pas rentrer. Bon, par contre, du coup, il fait moins froid. Ah, ça. Ah oui, ça c'est sûr que. Ouais, il fait que moins 3. Ah, est-ce qu'on a des lapins dans cette purée? Ouais, non, là, ça faut pas rentrer. Enfin, on peut toujours y aller, hein. On peut toujours faire les warriors, hein, mais ça peut mal finir aussi. On devrait avoir un lapin, hein. Il y a un lapin qui s'est perdu ou qui s'est caché, mais je sais pas, c'est devenu une statue, le truc. On n'a pas regardé combien de niveaux on a pris en archerie. Oui, j'ai envie d'aller encore casser du bois. Je sais, c'est con hein, ce que je fais. Peut-être en creux. Mais...
J'ai envie de retourner faire ça. Oh, j'ai pas posé la viande. 1h30. 1 heure pour 3 trucs. La blague. Bon, c'était pas extra aujourd'hui. J'avoue que c'était pas extra. Un peu dégoûté moi aussi. Ce serait bien qu'il y ait une option pour gratter genre le bois et récupérer de l'écorce. Ce serait cool. Mon dieu, on voit vraiment rien de chez rien quoi. Incroyable. On va récupérer encore des petits bouts de bois. La merde. Qu'est-ce qu'il fait? J'aurais pu l'avoir là. Rends pas la chose difficile. Je sais que c'est chiant pour toi, parce que bon, tu vas passer à la casserole. Honnêtement, c'est aussi chiant pour moi, quoi. Sérieux. Voilà. Honnêtement. C'est chiant pour tout le monde. C'est très très chiant pour tout le monde. J'ai même envie de dire que c'est plus chiant pour moi que pour toi, monsieur Lapin. Honnêtement. J'ai même envie de dire que c'est plus chiant pour moi. Yo. On a eu un petit lag. On rentre. Bah on rentre, qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce qu'on peut faire? On dépose maintenant. Ça c'est bien. Ah, tire l'arc. C'est pas mal, hein? Avec deux lapins. On était quoi? On était là, je crois. Si je dis pas de bêtises, on était là. Avec deux lapins, on a bien augmenté, quand même. Donc, voilà, ça vaut le coup. Après, bah oui, vu qu'on sait pas tirer et qu'on fait de la merde, bon, bah, on a des flèches qui sont quand même bien amochées. Mais le principal, c'est que notre skill avance. Voilà, c'est pas perdu. C'est pas perdu. C'est... ça aurait pu beaucoup mieux se passer, honnêtement. Ça aurait pu vraiment beaucoup mieux se passer. Mais bon, c'est pas grave. Comme j'ai dit, rien n'est perdu. Rien n'est vraiment perdu. On recycle tout en même temps, parce que j'ai pas envie de réfléchir. Normalement, on devrait genre faire la peau en premier, ou les boyaux, comme ça, après on les met par terre. Etc, etc. Elle est pas extrêmement fatiguée. Je me dis, ça dépend du temps. On peut encore un peu se balader. J'aurais bien fait du feu, moi, honnêtement, pour faire cuire ces trucs-là. Comme ça, on touche pas dans nos rations, en fait.
Je serais pas contre, hein, mais bon. Ça vaut pas vraiment le coup de zapper, enfin de gratter une allumette pour ça quand même. Par contre, faut que je me prenne des repères parce que sinon on va se perdre. Voyez ce que je veux dire, pour éviter de taper dans les massettes. Les massettes, bon, ça pourrit jamais tout ça, donc c'est vraiment cool. Pour éviter de taper dedans, j'aurais bien voulu faire du feu et manger le lapin. Il y a quoi là? Il y a un truc qui est... Non, ça. C'est cool. Ouh la vache. Voilà, parfait, parfait, parfait. Parce qu'elle n'est pas extrêmement fatiguée, vous avez vu? Elle n'est pas extrêmement fatiguée, donc il faut qu'on passe du temps. Sinon on va se réveiller, il va être encore mieux, plein milieu de la nuit. Et là, le temps était parfait pour nous laisser du... Je sais pas pourquoi il y a de la lumière à chaque fois. Je crois que c'est fait exprès pour qu'on la voie de loin, dans le noir, mais bon, ça n'a pas de sens. Surtout que, voilà, il fait un tout petit peu noir. Donc résultat des courses, on a pas mal de choses. On a pas mal de choses. Donc elle est pas fatiguée. Qu'est-ce qu'on a pour faire du feu? On a 9 allumettes. Les massettes, on va en trouver de toute façon. Je crois que j'en ai à la cabane. Je crois qu'on en avait pas mal et j'en ai mis de côté, non? Donc c'est pas grave si on les consomme. Surrounded by snow and nothing to drink. Ah oui, merde, t'as soif. Je sais pas. Je sais pas si vraiment les massettes, en fait, repoussent au bout d'un moment. Des fois, j'ai l'impression qu'elles repoussent pas, en fait. C'est pour ça que je me dis, on doit peut-être les garder. Allez, on y va. Elle est pas extrêmement fatiguée. Alors attends, on va encore un peu perdre de temps. On va faire ça déjà. Faudrait qu'on soit un peu à la moitié, comme ça on dort 5 heures. Ça. Est-ce qu'on en a vraiment besoin de ça? Mèche. Oups. Damn it. Ah, tu peux le faire. Tu peux l'appliquer. Même si... Intéressant. Ok, tu peux l'appliquer même si t'as pas de problème. Ça, je savais pas, par contre. Non, ça, je savais pas du tout. Parce que je voulais voir s'ils allaient me dire, bah vous avez pas d'infection ou des trucs comme ça. Ben, ah non, en fait non, ça fait utiliser quoi. Intéressant. Intéressant. Bon, vous voyez, on en apprend des choses. Même maintenant. Moins 7. Par contre, moins 7. Non. Quand même un temps de merde. Hein. Quand même un bon temps de merde. On va prendre ça. Ouais, très bien. Ah, ça y est, on voit un peu plus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des massettes ou des serres? Non, c'est des massettes. Je deviens fou, je deviens complètement fou. Ah, on voit un peu plus. C'est vraiment pas froid, quoi. C'est vraiment cool. Oh, putain.
Ça donne envie d'avoir des meilleurs vêtements. Genre parce que... Ouais, 8 degrés. Non, 8 degrés, non, il y en a trop. Il faudrait avoir un deuxième ça, deuxième vêtement, la sous-vêtement, nos jambes. Faudrait avoir des plus gros trucs, on va dire, quand même. Mais il manque pas grand-chose, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc on pourrait genre aller pêcher, on pourrait faire plein de choses. On pourrait vraiment faire plein de choses. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. Donc... Je vais juste aller voir là-bas dans la grange, là, s'il y a pas des trucs. Genre sans avoir besoin de faire du feu. Bon, par contre, faudrait quand même qu'on dorme à un moment ou à un autre. Tu sais bien, on se balade et tout. Mais... C'est juste des herbes. Non mais sérieux, en fait on pourrait rentrer. Non mais en fait on pourrait rentrer, attends. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait, on rentre? On n'est pas extrêmement loin non plus. Hein. Ça va être un peu limite par contre, hein, parce qu'elle va avoir froid je crois pendant le chemin. C'est un peu dangereux en fait. Faudrait au moins se réchauffer au maximum. Faudrait au moins se réchauffer au maximum. Et je pense qu'on peut rentrer. Tu veux voir? Est-ce qu'elle commence à baisser? Ouais, elle est à 28 kilos. Non, on va dormir. Non, 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 c'est trop dangereux. Nous allons dormir. Dormir, dormir. Alors. Alors, attendez. On va dormir genre 6 heures. Il faut 450. 7 heures. 525. J'ai déjà perdu le compte. On est à... C'est parfait. Alors on va dormir le plus possible et on y va. Voilà, c'est parfait. Ok. Ok, ok. Commence à faire jour. Jour. Commence à faire jour. Très bien. Donc elle s'est. Elle est reposée au max. Je pense que. Ouais, il nous faut de l'eau et tout ça. Donc on va partir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les fourrures. On a deux fourrures, deux boyaux. On va prendre ça. On a du bois de chauffage cèdre et on a autre chose aussi. Je crois que c'est sapin après l'autre. D'accord, je vois que dalle là. Ou alors c'est peut-être tout cèdre en fait, je sais plus. Ce serait bien qu'il fasse jour, s'il vous plaît. Genre maintenant. Maintenant, ce serait sympa. Ce serait vraiment sympa. J'y arrive pas, un truc pour perdre du temps. Non, 15 minutes c'est trop. Oh là là. Bon. On va prendre ça. Cinq. Et après il y a les autres quelque part. Je crois qu'ils sont dans les bâtons. Sapin, c'est bien ça. Ça, c'est plus lourd.
Ouais, ça c'est plus lourd, c'est 1 kg. Le sapin, c'est plus 1 kg. Mais ça n'est plus un bois dur, il est conçu de la même façon. Parfum très plaisant et brûlant, mais se consume vite. Donc le sapin dure plus longtemps, je crois bien. Sapin dure plus longtemps. Ok, on va laisser les bois. Pas du tout ça, non, jeter. Tout jeter. Bonjour, je voudrais bien de la... Oh, je voudrais de la lumière, sérieux. Arrêtez, parce que là ça commence à m'énerver. Il doit manquer genre 3 minutes. Allez, go. Go, montrez-moi un peu ce qui se passe là, je vois rien. C'est frustrant. Je pense qu'on a tout de toute façon. Je pense qu'on a tous les bois. Honnêtement, je pense qu'on a tous les bois. Tous les bâtons. Pas les bâtons, les bois de chauffage. Donc ça, ça et ça. Après le reste c'est du bâton, on laisse. Let's go, on y va. C'est parti. Y a rien d'autre, hein. On n'a rien oublié. On a rien oublié, je pense pas. Ça, ça. Très bien. Let's go. C'est très con ce que je suis en train de faire. Tac, c'est parti. Donc, résultat de notre petite escapade. Bon, on a utilisé les massettes. Je suis toujours pas très très heureux de ça, mais bon, c'est pas grave. On a augmenté notre arc, notre skill. On a récupéré deux lapins, donc on a à peu près 1000 calories. Donc ça nous fait une petite nuit, un peu plus d'une petite nuit. On a en viande. On a... Je vais faire des pauses parce que je crois pas, je suis sûr qu'il y a des loups. Et surtout c'est que on est à 3 sur 3 sur l'odeur, donc ils vont nous sentir de très loin. Je crois qu'il y a un cerf là. J'ai entendu des galopements. Je crois que c'est le cerf dont on avait vu la dernière fois. Enfin, hier. Ouais, je pense qu'on est... Je pense qu'on est safe, ok. Alors... Ouh, ça c'est très bien, très très bien. On a récupéré ça aussi, c'est vraiment cool. Ah, il est là le cerf. On a récupéré ça. On va voir si on peut le pousser vers chez nous. On va voir. Je sais pas si c'est possible. Si c'est encore loin. On a récupéré voilà, des écorces. On a deux peaux de lapin. On a deux boyaux. On a augmenté notre arc. Notre skill. On a récupéré des bois de chauffage. Qui sont vraiment bien, honnêtement. C'est vraiment le top. Et comme j'ai dit, bois de chauffage et bâton sont renouvelés avec le temps. Donc s'il y a une tempête et tout ça, bah, ça revient au bout d'un moment. Donc j'espère que c'est pas devant parce que sinon on va être dans la merde. J'espère que c'est vraiment pas devant. Passe devant le cerf. Honnêtement, fais notre bouclier. Ah oh, putain, il y a un loup. Il va attaquer le cerf. Vas-y, mange-le. Maintenant, on va jouer au chasseur.
que j'ai déjà perdu. Il est parti où ce con? C'est lui? Ouais, je pense que c'est lui. C'est lui? C'est peut-être pas lui en fait. Yes, niveau 2. Par contre, je voudrais récupérer mes flèches. Enfin, je sais pas si c'est le même. Normal, honnêtement, je dirais que c'est... non. Parce qu'il est revenu trop vite sur nous. À moins qu'on fasse pas assez mal et du coup, il était encore d'aplomb, quoi. On m'étonnerait. Alors, un truc très très chiant. Et honnêtement, ils devraient peut-être le changer, mais bon, vu qu'ils l'ont pas fait, je pense qu'ils le changeront jamais. C'est que les animaux, quand ils sont blessés, ils peuvent monter des pentes que l'on ne peut pas. Et que normalement, ils ne peuvent pas non plus, je crois. Genre là, c'est trop pentu. Normalement, il peut pas faire ça. Putain de merde! Non, tu t'es... cette conne, elle s'est pété le poignet. Oh! Tu vas arrêter? Ah ouais, bah du coup... merde la chasse, quoi. Putain, on est sur le chemin, en plus. Ah. On rentre. Ah. Le truc qui commence à déraper, se passer très très mal. Le stress. Ah, ça m'emmerde là de perdre des flèches. Parce que après pour retrouver les loups, quand vous les avez perdus de vue, bonne chance. Hein. Bonne chance. Là, on n'est pas critique encore, ça va. On n'est pas critique. Ce qui m'embête le plus, c'est les flèches, honnêtement. C'est vraiment les flèches. Donc, ce qu'on va faire... je pense qu'on va... laisser le temps... nous soigner. On va se soigner. Comme ça, on peut utiliser notre arc et tout ça. Et on va revenir ici et rechasser le loup. Parce que j'ai vraiment envie de récupérer mes flèches. Mais bon, maintenant on est niveau 2 quoi. Oh par contre quand elle se tord la cheville ou quoi que ce soit, ça fait peur. Après c'est vrai que j'ai un peu trop... oh putain c'est plus... après, c'est vrai que j'ai trop forcé, hein, c'est con hein, ce que j'ai fait. Parce qu'elle était en surpoids et j'ai monté, vous avez vu la pente qu'on a montée et tout ça. Mais c'est à cause du loup, hein. J'étais en train de chercher le loup. Hein. Mais ouais. Vous voyez, une fois, je pense que la meilleure des solutions, c'est avec l'arc, une fois que vous avez l'arc. Comme j'ai dit, ça dépend des flèches, du nombre de flèches que vous avez. De toute façon, c'est pas très très dur pour aller en refaire d'autres, même si on doit refaire les têtes.
C'est d'être un peu attaquant une fois que vous avez l'arc et de monter le niveau de l'arc le plus rapidement possible. Il y a aussi un truc, c'est que quand vous tirez avec l'arc, je crois que ça enlève 2% de l'arc. Je crois, 2. Mais quand vous êtes niveau 3, c'est divisé par 50, donc du coup ça vous prend 1%. Donc en gros, bah, vous doublez votre utilisation de l'arc. Donc c'est bah, c'est vraiment le top, quoi. C'est pour ça que c'est important. C'est vraiment très important d'augmenter l'arc. C'est prioritaire dans un sens. Une fois que vous avez l'arc, il faut l'augmenter. Fou. Eh ben, on est rentré. C'était un peu compliqué aujourd'hui, hein. C'était un peu compliqué. Ah, arrête de crier. Je sais pas si elle peut crafter quand elle a les poignets pétés, je dirais non. Honnêtement, mais on sait jamais. On a que du cèdre là. On a que du cèdre. Donc on va mettre le sapin juste à côté. Voilà. C'est bien ça. Oh, regardez-moi tout ce bois. Putain, c'est cool. C'est vraiment, vraiment cool. Ça me fait plaisir, ça, d'avoir autant de choses. Alors, ça, voilà, on a regagné. Ça, c'est très bien, je suis très très heureux. On va pouvoir se faire les moufles, hein, je pense. Ah oui, non, les moufles, on avait dit quoi, que ça prenait trop de temps, c'est ça? Ça prend genre 20 heures, un truc comme ça, sûrement une connerie comme ça. 5 heures, j'ai rien dit. On les a les moufles ou pas? Non, on les a pas. Oh, on pourrait se les faire. Il en faut 4. On a 4. 1, 2, 3. 4, on a 4. Et combien de... 2. 1, 2. Yes. Ah, on peut faire les moufles. Ah, cool. On peut faire les moufles. Yeah, oui, je sais. Ow. Ah, on va faire les moufles. De toute façon, il n'y a rien à faire en lapin. Y a tout ça, on l'a déjà. Donc, c'est très bien. Donc, 5 heures, parce qu'il fait encore jour. Let's go maintenant. Et après, on va dormir la nuit pour qu'elle se soigne. Il faut combien? 2 heures, 4 heures. Ouais, la douleur, elle reste pendant à peu près 3 heures. Là, il faudrait dormir pendant 2 heures et là, 4 heures. Ça marche. Donc je pense qu'on va passer la nuit ici, on va juste crafter la journée et on va dormir. Je pense qu'on a assez. On a assez souffert. On a assez souffert. Par contre j'espère qu'elle va pas être en à tituber là. À crafter pendant 5 heures. Alors est-ce qu'elle peut déjà? On va utiliser ça. Elle peut, la blague. Elle peut. Il reste plus que 2 heures. Ah oh non, le temps qui s'en mêle. Je sais. Je sais, y a pas de problème. Voilà.
Attendez, ça fait quoi quand on les détruit, ça? Ça fait du cuir ou pas? Normalement, non, mais... Ah si, 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 c'est du cuir. Oh, c'est bien, ça. On va les garder de côté, mais c'est vrai que pour du cuir séché, c'est cool. Mauvais état. Ok, on va dormir. On va dormir et... comme ça, on va se soigner et on va dormir le plus possible. Et on se remettra en chasse. Il nous reste combien d'arc? Combien de flèches, pardon? L'arc, il y a 60... Vous voyez, 76%, parce qu'on a quand même beaucoup tiré de fois. On a 8 flèches. 8. Ouais. C'est celle qui était abîmée qu'on a tirée. Ça, c'est une bonne chose, dans un sens, à la limite. Mais bon. Enfin, quoique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les... C'est les têtes. Mais on va devoir repartir à la chasse. Ah oui, par contre, les têtes de massettes, là. Enfin non, les massettes tout court, pas les têtes. Est-ce qu'on en a de côté? Comme j'avais dit. Normalement, oui, mais je suis pas sûr. Du charbon, on en a sur... Désolé, hein, je fais un peu tout et n'importe quoi, là, mais... Oui, on a du charbon, on peut dessiner... Ouais, j'ai cru qu'on avait mis des massettes de côté, j'en ai pas. Aussi de l'eau, ouais, il va falloir faire de l'eau. Faudrait qu'on aille chasser, qu'on récupère plus de viande. Parce que on va devoir faire du feu, on va devoir faire de l'eau et du coup à manger en même temps, évidemment. Donc ce serait vraiment bien de faire ça. Allez, c'est parti, on va dormir une dizaine d'heures. On va être à fond. À quoi qu'elle va pas dormir 10 heures parce qu'elle est pas assez fatiguée, mais au moins on sera d'aplomb. C'est parti.